Bonjour, c'est Jean-Pierre Martinez du site Esprit de la Nature.fr. Énergie du moment. Regardez ce qui brûle, regardez ce qui pique, mais regardez ce qui nettoie et ce qui éclaire. Une énergie de feu. Un feu qui met en lumière la partie qui donne du relief en fait à la partie qui peut être déjà visible. Un feu qui finalement fait apparaître les micro-reliefs et redonne finalement effectivement du volume, de la consistance. Une énergie de nature spirituelle? Oui, une énergie de nature spirituelle. Un archange. Une énergie archangélique. Et alors, elle est là tout le temps? Oui et non, quand il y a besoin. D'accord. Uriel. Ça, c'est pour les passionnés. Je vous ferai pas la description, vous pourrez toujours chercher Uriel. Bien. Enchanté. Et cette mise en relief se fait en s'exposant. Je montre ce que je crée. C'est l'énergie du moment. Bon, bien évidemment, il y a des choses aussi pour moi. Effectivement, il y a des choses que je crée qu'il va falloir que je mette au public et au cas où il vient me rappeler cela. Merci. Alors, ce qui était amusant, c'est pourquoi Uriel est plutôt lié au feu. Bon, à voir. À voir. Il peut se lier plutôt à un élément ou à un autre, il n'est pas lié à. Petite nuance. Bon, et là, qu'est-ce que c'est comme énergie? Quelque chose de très sphérique, de très enveloppant. Le but est que vous vous laissiez imprégner. Et pas que je vous fasse forcément un catalogue. Expression. Digestion et lien au spirituel. Je dirais digestion, mais aussi assimilation et transmutation. Ah, avec le feu à côté, ça peut être pratique. S'offrir la joie du lien.
La joie du faire ensemble. La joie du découvrir et du construire. Un rapport à la jouissance dans la construction. Waouh! Sympathique. Mettre les émotions à la bonne place sans s'attacher. Juste vivre le présent et vivre pleinement. Ne pas oublier que le thème du jour résonnait sur, entre autres, le rapport à la jalousie, mais un sens bien plus large. Alors du jour, du moment, bien plus large que la jalousie, par exemple, dans un couple. Je peux avoir des parties du corps jalouses l'une de l'autre. Chaque partie du corps puisse s'exprimer le plus pleinement. Et quelque part comme si chaque organe, chaque cellule, chaque particule qui nous compose puisse vibrer de sa propre découverte. On ne va pas être jaloux, au contraire, superbe. Vibrer de la découverte de tout ce qui existe. C'est valable aussi pour les humains. Bien sûr. Et entre humains. Ah, la mise en action, au hasard. J'ai fait une vidéo juste avant, j'étais sur cette pierre. La mise en action. L'énergie pour avancer. C'est ce feu, mais alors ce feu qui est plus un feu de terre, un feu qui va faire carburer la chaudière, qui va effectivement amener la vapeur pour mettre en mouvement, si on reprend une analogie mécaniste. Il y a un côté intégration masculin-féminin, même si ça pourrait répondre sur un côté ancienne déesse mère. Ancienne, oui, parce que plus au goût du jour, plus au goût du jour, plus connectée par des groupes humains actuels. Mais appelé à être reconnecté. Ils ne sont pas très nombreux, ces déesses mères. Elles peuvent avoir plein d'émanations, hein. Mais elles ne sont pas très nombreuses. Il n'y a pas besoin de plus d'une main. Mais à l'occasion, je reviendrai dessus. Juste, encore une fois, se laisser imprégner. De la souplesse. Dans les changements de point de vue. Comment je peux aller dans un sens, puis parfois revenir dans l'autre. Me rendre compte que être en avance,
c'est pas être dans le temps. Donc d'être juste dans mon temps et dans le temps commun. Une pierre qui bouge de notre rapport au temps, qui recrée une harmonie dans les différents temps. Un temps très humain, très organique, un temps cosmique qui permet de se rendre compte que tout est en rapport et tout est en analogie. Et que finalement, entre le temps d'expansion et de rétraction de notre univers, style Big Bang, Big Crunch, et une vie humaine, ça peut être la même chose, ça peut être la même logique qui se déroule juste sur un rapport de proportion différent. Waouh! Je vous présente un grand horloger. Pas tout à fait. Ça serait plutôt quelque chose qui structure le rapport au temps dans l'univers. Tiens, tiens. Je t'ai jamais rencontré? Non. C'est la première fois. Et pourtant. Mais c'est à 50 mètres de la maison. C'est sur notre terrain. Ben oui. Mais qu'est-ce qu'on a besoin maintenant? C'est quoi sa nature? Wow. On pourrait parler de dimension. Et on pourrait parler de à travers le temps. Ce qui crée le rythme. La conscience du rythme. Et finalement, ce qui permet à l'expérience de la dualité de se déployer. Tomitan. Bon, amusant comme nom. C'est lui qui me dit ça. Oui. Pourquoi il veut en plus que je le verbalise? Bonne question. Parce que là, si, c'est bien. Tomitan. Bien. J'aurais sûrement du mal à m'en souvenir, mais bon, ça sera dit. Donc il y en a qui auront mis ça dans un petit coin. C'est pas une énergie à invoquer pour les fanas, juste à accueillir. Un rapport aux fondations. Et aux racines. Sur quoi je construis? Je construis sur mes illusions. Je construis sur un besoin commun. Je construis sur un appétit de conquête ou un appétit de partage. Tiens, se remettre au clair avec les bases, avec la source de notre chemin de vie. Et surtout avec la source de comment notre mental là, quelque part, a fait son interprétation et pousse dans un sens en ayant parfois oublié une partie du message initial. Quelque chose qui va remettre en conscience le message initial.
Une forme de dragon. Une forme de dragon. Oui. Assez particulier. Et une petite dernière que je vais pas vous montrer sous cet angle d'ailleurs, mais sous celui-ci. Amour et jeu. Le jeu, vous l'écrivez comme vous voulez. Amour comme brique de base. Tiens, tiens. Juste reprendre conscience de ça. Amour comme brique de base. Pour construire. Une bien belle énergie, oui. Juste se laisser imprégner. C'est quoi ce mot amour? Encore. À chaque fois avec des tonalités différentes. Comme si... Un petit côté s'autoriser aussi la joie de sa voix. La joie de sa voix, oui. La joie de jouer avec sa voix. Très pétillant, oui. Très pétillant. Voilà, petite promenade en Limousin sur notre petit terrain. Le cercle de pierre qui a quelques petites choses à dire. Peut-être que je ferai régulièrement des petites visites à ce cercle en vidéo, parce que pour les visites, c'est souvent pour vous faire partager ça. À vous de me partager votre ressenti. Si j'ai pas de commentaires, pas de ressenti particulier par rapport à cette vidéo, je ne vois pas pourquoi j'en referais d'autres. Sur ce lieu. À vous de voir. Donner, recevoir. C'était Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr en Limousin à Marval. Je vous souhaite une belle et bonne journée.